I never would have gotten out of there without your singing. It's amazing how strong that song was. Music is powerful, man. It speaks to a primal pit in our brains. What do you think, Music Hall? Jake's right. A good song can really wrap people up in a mood, better than any words alone could. Actually, I've been working on a new song myself. It's about a really specific feeling that's hard to describe. Would you like to hear it? Je vais parler ici un peu de poésie. Le terme est large et fait parfois en jeu vidéo un peu ridicule ou opportuniste, façon de se démarquer. Des figures lui sont attachées, comme Fumito Ueda, le créateur d'Ico, Shadow of the Colossus, et je n'entends pas chercher de définition d'une poétique du jeu vidéo spécifique, mais juste en explorer une émanation. À mes yeux, le poème écrit ou déclamé, où les mots existent pour leur son, leur sens, agencement, est un paroxysme littéraire qui mérite qu'on se demande s'il y a des équivalents, disons, aux poèmes en jeu vidéo. Sans doute y a-t-il des moments lyriques, des extases interactives qu'on pourrait rapprocher. Il y a aussi le registre épistolaire, les jeux s'ouvrant sur une lettre, formule forte des années 90, surtout dans le jeu PC, devenu un peu plus rare aujourd'hui. La Mer Zone, Silent Hill 2, Dear Esther. Prosaïquement, il y a encore le poème d'introduction, dans Chrono Cross, ou le poème de fin, avec Minecraft. Les poèmes déclamés de Grim Fandango, dont un a composé librement, dans un bar communiste et ou résistant polar noir, tout un imaginaire américain entier, où la poésie moderne semble à sa place, poème pastiche d'écriture automatique surréaliste glacée. Il y a aussi les batailles d'insultes de Monkey Island, pleines de sarcasme, ou encore le jeu The Mad's Garden, dans lequel l'interaction produit à terme un poème assemblé, variable, et on pourrait aussi aller chercher du côté de la langue imaginaire de Captain Blood, ou bien des phrases à composer du jeu Sentient. Je cite ici des jeux un peu anciens, et ou pas forcément populaires, et on se situe peut-être déjà dans un jeu vidéo assez exigeant, jeu d'aventure sophistiqué, et ou manifestement littéraire, mais d'après moi, on trouve de plus en plus une expression proche du poème dans le jeu vidéo grand public, à travers la chanson, avec un soin du verbe et la présence d'idées originales ou peu explorées en jeu vidéo. Si la chanson ne paraît peut-être pas le sujet le plus spécifiquement poétique, littéraire ou vidéoludique et interactif qui soit, de prime abord, on peut rappeler que Bob Dylan a été prix Nobel de littérature, dire le poids poétique de textes de Léo Ferré et Georges Brassens, qui ont d'ailleurs adapté divers poèmes de François Villon ou Aragon entre autres, et on constate que la chanson habille ou participe activement à pléthore de jeux. Certes, souvent la musique ou la voix dénuée de mots suffisent à poser un cadre, dans Ico. Star Ocean 3. Chaos Légion. Shadow of Memories. Mais parfois le texte est nécessaire pour signaler plus que la sensation d'une voix, pour dire quelque chose, en particulier dans le jeu vidéo japonais qui a fait de la chanson une de ses marques de fabrique, bien avant le jeu américain, il me semble. Je n'émettrai pas d'opinion sur leur qualité artistique, noter les musiques, les graphismes, etc., cela en fait des objets isolés, descriptibles et consommables séparément, alors que ce qui m'intéresse, c'est notamment la chanson résonnant avec son jeu, ses raisons d'être, la façon dont on l'amène, ce qu'elle dit du jeu en somme. Longtemps la bande-son de jeu a été limitée au bruitage, Pong avec ses deux bips, puis musique de plus en plus orchestrée et riche en couches, digitalisation vocale, et enfin chanson. Pendant un temps, ça a donc été un défi technique, une innovation technologique, un argument plus ou moins gadget, en tout cas, un plus dans la décoration du jeu.
Historiquement, les jeux qui usent de chansons sont sans doute déjà ceux qui technologiquement ont su le faire, ou en ont eu très envie. Psycho Soldier en arcade en 86, premier thème chanté sur l'action du jeu, en japonais et anglais. Mais également en cassette audio séparée en 1987 pour la promotion du jeu dans sa version de salon Famicom, la machine ne pouvant générer elle-même la chanson. La cassette devient potentiellement complément, livret du jeu, piste musicale d'accompagnement, etc. Et visiblement le thème chanté par une idole a pas mal aidé à faire d'Athéna, une des premières idoles également, si on peut dire, du jeu vidéo. Le son sur bande magnétique disparaîtra vite, au profit du son machine, et la chanson apparaît par étapes, le manoir de Morteviel en 1987, premier jeu au dialogue en synthèse vocale. Février 1951, profession, détective privé. Global Gladiator en 1992 et son collage de digitalisation vocale du jeu. Are you ready? Yeah. Cool. Are you ready? Awesome. Ou quelques jeux Super Famicom. Bien que de nos jours la présence d'un thème de jeu vocal n'a plus rien d'exceptionnel, Tales of Phantasia est l'un des seuls jeux Super Nintendo à en posséder un, le jeu Donzie World, publié en septembre 1994, étant le premier. Ce qui est remarquable étant donné la taille réduite des supports de jeu de l'époque et le peu de mémoire consacrée au son. Cette performance technique fut possible grâce au moteur baptisé Flexible Voice Driver, capable de charger les échantillons sonores dans la mémoire audio à la volée, dixit Wikipédia. Fin de citation. Bref, la voix a vite été un défi technologique et donc un argument commercial. À l'instar de l'Odyssée 2 qui vante sa synthèse vocale. Watch out! Hurry! Is that talking, Wizard of Odyssey? A voice! Odyssey 2's new voice module. Incredible! The voice and new voice games. Only from Odyssey 2. Aujourd'hui, beaucoup de jeux emploient la chanson, mais s'il faut circonscrire, ce sont sans doute surtout des jeux qui, à un degré plus ou moindre, ont une ambition narrative ou psychologique, même discrète. Par exemple, Sonic R, qui fait aussi partie des jeux nécessitant la chanson pour traduire quelque chose que le reste du jeu n'aura pas su éclairer, qui ont quelque chose à dire ou à faire ressentir, et ne parviennent peut-être pas à le faire autrement, la chanson peut exprimer un implicite du jeu, donner voix à un silent protagoniste ou héroïne timide, voix intérieure qui explicitera des sentiments peu clairs visuellement, à l'époque du jeu 16 et 32 bits par exemple. À côté de la face visible du jeu sont omote. La chanson en est alors le caractère ura, la face cachée, pouvant explorer des sujets dont le reste du jeu ne s'est pas encore emparé. Mélancolie, nostalgie, doute, crise existentielle, douceur de l'instant, tout cela qui relève de l'introspection quand l'action du jeu sera elle plus physique, va plus camper désir, pulsion, plaisir, effort, etc. Dans un jeu de princesse à sauver typique, l'action pourra souligner brutalité, plaisir sanguin martelé de la mêlée, et la chanson finale pourra s'atteler aux sentiments amoureux, par exemple, à l'image de Clockwork Knight, dont le compositeur a apparemment composé cette berceuse finale romantique à la naissance de sa fille. Le terme « baby » prend alors ici un sens double.
Bref, la chanson opère parfois peut-être comme béquille, béquille de l'émotion quand le jeu échoue à exprimer une chose par mise en scène, structure, musique, interaction, récit, design, etc. Ça peut être un aveu de faiblesse, mais aussi ponctuellement le marqueur d'une force, et il arrive que la chanson donne une nouvelle direction, une nouvelle tonalité, ou qu'elle confirme, fasse ressortir un caractère particulier du jeu, introduction festive puis langueur, amour final de Clockwork Knight 2 encore, façon de dire artificiellement peut-être qu'il y a ici plus qu'un jeu de plateforme, avec une love story enfantine et douce. Pour créer un cocon de sens, la chanson est aussi un bon endroit. Souvent hors de la diégèse du jeu, qui peut surplomber l'univers et le récit, raconter le monde de loin, en parallèle, ou encore exprimer les personnages dans ce qu'ils ont de plus secret, voix omnisciente, voix intérieure qui parle de sentiments héroïques, désirs, rêves, ou encore écho féminin d'un personnage, j'en parlerai plus tard. La chanson est également une forme populaire plus facile d'accès que la classique longue et froide lecture d'un texte, notamment en préambule d'un jeu, pour attirer un public réfractaire aux élans narratifs d'un jeu d'action par exemple, c'est un compromis recevable, et à même de toucher un public enfantin, ne sachant pas encore lire par exemple. Avec voix, musique et images animées, la chanson en clip est déjà plus riche, entraînante, séduisante qu'un texte initial ou final donc. Elle impose un rythme, c'est un de ces outils du spectacle auquel le jeu vidéo industriel tient beaucoup. Et effectivement, hors limitations techniques historiques, rares sont les jeux narratifs osant s'achever sur un simple texte écrit, même la lettre finale épurée de Silent Hill 2 est déclamée, pour en accroître la gravité, et si on a longtemps lancé un jeu avec un texte défilant, aujourd'hui cette économie de moyens à la véritable intensité dramatique, pourtant, est assez délaissée. La chanson, montée comme un clip sur une cinématique, captivera bien plus, elle ouvre le jeu en douceur, par un contenu passif, avant de plonger dans l'interaction, et par sa présence, elle souligne la finition, le soin apporté au jeu par les développeurs, ou encore les moyens importants du jeu. La chanson a longtemps eu quelque chose de luxueux, du supplément d'âme. Pour Soul Edge sur PlayStation 1, c'est un emballage qui, avec la cinématique, l'affiche quasiment comme jeu narratif face à sa version arcade. La chanson peut aussi servir à encadrer le jeu en opening et ending theme, qui résonneront entre eux, qui disent d'où on part et où on arrive, sur quelle idée ou énergie, qui serviront à traduire une émotion clé, à ressentir a priori par le joueur. On donne vite le cap émotionnel et atmosphérique du jeu, cela gagne du temps au démarrage, et en fin de jeu on choisit sur quelle impression et souvenir laisser le joueur, pour revenir à la réalité. Satisfaction, drame métaphysique, sentimental, mélancolie finale qui n'est pas rare en jeu vidéo japonais à l'instar de Zone of the Enders par exemple, etc., etc. C'est alors volontiers une récompense, berceuse finale de Xenogears. Chrono Cross, ou encore Clockwork Knight 2, dont le thème de fin s'appelle Lullaby, berceuse. Baton Kaitos Origins contrebalance le climax de son boss final par une chanson mélancolique en italien, Ali del Principio, grandiose, cristallin, poème initiatique sur l'aventure à naître, le type de morceau que l'on attend en début ou en fin de jeu après le boss, ici anticipé, peut-être, pour ne pas achever le jeu en fatigue, essoufflement courant en level-up de RPG. On signale ici que le cœur du jeu se trouve dans son récit et dans l'affect, plus que dans son système, et l'aspect opéra de cette chanson, notamment par l'italien, souligne cette ambition.
italien d'opéra lyrique pour Parasite Eve. Bref, la chanson marque une dominante, des préférences ou encore un chemin du jeu, du drame viril militaire bagarreur à la love story dans Final Fantasy VIII, du mutisme à la rencontre dans Ico, chanson de fin souvent plus apaisée. On peut y voir l'héritage de la série d'animation avec ses génériques opening et ending. Mais en jeu vidéo, la chanson a peut-être aussi une vertu organique, béquille d'immersion et d'incarnation au moment d'investir ou de quitter un avatar, prendre possession d'un nouveau corps. Voix qui fait appel à notre propre corps de joueur, qui nous parle directement, intime, et effectivement, je crois que l'on ne s'y dérobe pas aussi facilement qu'au texte. La chanson, c'est un texte et un tempo que l'on ne peut pas accélérer, on est obligé de l'entendre. On peut certes zapper l'introduction tout entière, mais globalement, la chanson s'impose plus, même comme texte, qu'un texte défilant traditionnel de jeu vidéo très facile à zapper. Il me semble que la chanson saisit très généralement l'affection. Classiquement, la chanson en jeu japonais crée donc un cadre en début et fin, parfois en langue étrangère ou imaginaire, dans Legend of Mana. Ou encore Panzer Dragoon Saga. Signalant peut-être un monde différent, à la langue imaginaire donc. Panzer Dragoon Saga le souligne narrativement, commençant par une vidéo en langue imaginaire de ce monde, hors narrateur omniscient en japonais. Puis le joueur se voit associé au héros et prend possession de son corps, et dès ce moment, le monde parle japonais. Lorsqu'à la fin du jeu ce lien sera brisé, on rebascule à la langue locale imaginaire du jeu, et une chanson prophétique, au texte à nouveau incompréhensible, marque la fin de l'aventure. Une autre raison possible à la chanson en jeu vidéo est sans doute le prestige et la popularité lors de reprises de chansons célèbres ou lorsqu'on convoque un artiste précis pour une plus-value intellectuelle ou artistique. Avec Mad World ou Everybody Wants to Rule the World de Tears for Fears pour les bandes-annonces de Gears of War et Assassin's Creed Unity, on se dédouane peut-être un peu de l'action brute sans finesse intellectuelle, disons, en accolant le champ de l'art, des sentiments, la subtilité au wagon du jeu, histoire de frapper sur tous les fronts. À mes yeux, cette mode de la chanson américaine en bande-annonce, hors du jeu, avec The Last of Us 2, Gears of War, Mafia 3, sert plus à vendre le jeu qu'à donner envie d'y jouer, comme le fait la chanson de début de partie. En série télé américaine, il me semble que le générique chanté ne fait pas norme, et le cas échéant consiste parfois en reprises de thèmes célèbres type Baba O'Reilly. Au Japon, côté générique, il s'agit plus vite de chansons originales et d'intuition, j'y dirais la chanson historiquement plus présente, ou bien encore que dans le jeu américain, elle a plus eu une fonction excitante que poétique, même si c'est moins vrai aujourd'hui et que l'un n'empêche pas l'autre, avec par exemple Red Dead Redemption. Ou Metal Gear Solid Revengeance, et encore Sonic sorti en 2008, en pop métaphysique, même si, piège, les deux derniers sont des jeux japonais à chansons américaines. J'ai aussi le sentiment que la chanson du jeu américain décrit plus le monde et l'extérieur, en général, avec Far Away, et que la chanson japonaise s'arrête plus sur l'individu intime,
Quoique des chansons type Brave New World et consorts existent aussi, autant expression d'une idée du monde que d'une énergie héroïque. Bref, revenons à la reprise de chansons comme forme de prestige. BioShock et ses reprises font un épinal implicite, une idée associée des États-Unis traditionnalistes, etc. Comme en publicité, des chansons connues, récupérées, associent immédiatement l'imaginaire de cette chanson, de son artiste, à celui de la marque présentée. Go Tell Aunt Roddy de Resident Evil 7, chanson traditionnelle connue du public américain. Go tell Aunt Roddy, go tell Aunt Roddy, go tell Aunt Roddy, the old grey gooses. Ici, modifié dans le texte, assure donc une continuité et une inscription du jeu vidéo dans la tradition culturelle. On joue sur l'horreur à la Alice ou Chucky, l'enfance brisée, le rêve devenu cauchemar, etc. Mais surtout, on fait appel à une comptine que le public américain connaît depuis l'enfance. On reproduit et exploite un terrain connu. Pareil avec Ordinary World, reprise de Duran Duran pour Evil Within 2. Ou avec l'ascendant de Bob Dylan et Jimi Hendrix pour All Along the Watchtower, illustrant Mafia 3. On s'achète ici une grandeur, une respectabilité, une visibilité aussi, avec des morceaux repris très populaires, et une inscription dans la continuité historique, peut-être la même que cherche par exemple le jeu Dante's Inferno, en adaptant le Dante pour se distinguer des autres jeux d'action, tout en faisant du jeu un actionneur assez commun au final. Plan commercial érigé sur la qualité artistique d'autrui, aveu d'inféodation du jeu vidéo ou inscription dans l'échange artistique général, chacun s'en fera son idée. À ce moment, on est proche des jeux de karaoké ou des rhythm games aux musiques reprises ailleurs, et on est peut-être aux antipodes de jeux qui usent de la chanson comme objet interactif et inventent leur propre composition, à l'instar de Patapon ou Parapa. Voilà, je fais une pause, on explorera un peu plus l'intérêt de la chanson et des langues étrangères dans la seconde partie de cette vidéo. Merci d'avoir suivi et à la prochaine.